mais j'y arriverai jamais. Ça fait 2 heures que je suis sur la guitare et ça marche pas. Attends, il a dit quoi là? 2e corde, 4e case. C'est pas possible. Attends, ça fait 20 ans que je fais de la guitare, tu vas pas commencer à me dire que c'est comme ça qu'on fait. C'est pas possible. Il ne me reste plus qu'un mois, mon Dieu, je n'y arriverai plus jamais. Rhabille-moi le pied, rhabille-moi le pied. J'en peux plus, j'en peux plus. Julie, toute la journée avec sa guitare et internet. Billy Boy qui s'appelle, ils me font chier tous les deux. Mais moi, les dingues, je le soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est, Raoul. Aux 4 points de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne retiens plus. J'inamique, j'usperce et je ventile. Voilà. Hey, salut internet, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour aujourd'hui apprendre le morceau L'identité, 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 enfin ça dépend comment tu le sens, des têtes raides sur l'album Gratte Poil qui est sorti en 2000. Et c'est une demande de mail 61430. Je sais pas si c'est un code postal, j'ai pas regardé. J'espère que je vais répondre convenablement à ta demande et que ça te fera plaisir. Et que ça te fera plaisir à toi aussi, autre public internet, toi. Je sais pas comment dire internet. Donc si t'es débutant, bienvenue, t'es emballé dans le détail du détail. Si t'as un capodastre et 6 cordes bien accordées, eh ben on va pouvoir commencer. Allez en piste. Alors pour ce morceau, tu vas aussi avoir besoin d'un capodastre. Capodastre que tu vas déposer en première case. Pour son utilité, à quoi ça sert, je t'invite à aller dans la description de la vidéo, là où tout sera expliqué, pour éviter de prendre du temps sur le film. Donc si t'as ta guitare et ton capodastre bien placé, ben on va pouvoir commencer. On commence avec l'intro. L'intro, tu vas avoir besoin de 3 accords. Le Ré mineur, le Do majeur et le La majeur. Comment on joue ces accords? Eh bien voici. Pour faire le Ré mineur, tu mets ton index en première corde, première case. Ton annulaire en 2e corde, 3e case. Et ton majeur en 3e corde, 2e case. Et tu grattes à partir de la 4e corde. Voilà, la 4e à vide, c'est un Ré, c'est ta tonique, ta basse. Do majeur, index en 2e corde, 1ère case. Majeur en 4e corde, 2e case. Et annulaire en 5e corde, 3e case. Et tu grattes à partir de la 5e corde. La 5e en 3e case, c'est un Do, c'est ta tonique, ta basse. Et on termine avec le La majeur. Annulaire en 2e corde, 2e case. Majeur en 3e corde, 2e case. Et index en 4e corde, 2e case aussi. Et tu grattes à partir de la 5e corde. La 5e à vide, étant un La, c'est ta tonique, ta basse. Tu as donc tes 3 accords, Ré, Do, La. Au niveau des temps, ça te fait 4 temps, 2 temps, 2 temps. Donc tu tapes de ton pied et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Voilà. Alors si on considère que Ré, Do, La c'est une boucle, eh bien tu l'as fait 4 fois. Si tu veux vraiment faire comme sur l'album, voilà, faire la vraie intro. Et puis intervient le premier couplet. Les clandestins, les clandestins, les cris des chiens heurtent alors on le. Alors pour le couplet, tu vas avoir besoin de ton Ré mineur, de ton Do majeur, de ton Fa majeur et de ton La majeur. Alors effectivement, ce sont les mêmes accords que l'intro, mais on va rajouter un Fa majeur. Alors comment on joue le Fa majeur? Tu fais barré en première case. Tu mets ton majeur en 3e corde, 2e case. Ouais, j'en étais sûr. Et ton annulaire en 5e corde, 3e case. Et ton petit doigt en 4e corde, 3e case. Et tu grattes à partir de la 6e corde. La 6e corde en 1ère case, c'est un Fa, ta tonique, ta basse. Donc je reprends. Tu auras besoin de ton Ré mineur, Do majeur, Fa
Fa majeur, La majeur. Ces quatre accords que tu vas jouer deux fois pour deux boucles. Et au niveau des temps, tu auras besoin de faire 8 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ce, deux fois. Alors, tu arrives à la fin du couplet, au niveau du chant. Tu auras fini tes deux boucles, mais il restera encore quelques mots à prononcer. Eh bien, tu vas terminer ton couplet avec un dernier ré mineur en plus des deux boucles. Concrètement, on est à la toute fin, là, je te le fais. Ça fait... Y a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Voilà, le ré mineur qui est en plus sur les deux derniers mots de ton couplet. Et puis arrive le petit refrain. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Oui, monsieur, nous sommes français. Alors pour ces deux phrases, tu vas avoir besoin de ton Fa majeur, de ton Do majeur, de ton Ré mineur, de ton La majeur. Fa, Do, Ré, La. Et au niveau des temps, 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ce, deux fois. Deux boucles parce que tu prononces tes deux phrases deux fois. Après le petit refrain, comme j'appelle ça, tu as ce que j'appelle la boucle musicale. Là, paf, ça éclate. Alors il y a les trompettes, les saxos, les pianos, les batteries, les basses. Enfin, tout le monde qui s'énerve et qui essaye de jouer plus haut que le voisin. Alors pour cette boucle musicale, tu vas utiliser ton Ré mineur, ton Sol mineur, La majeur, Ré mineur. Ré, Sol, La, Ré. Alors le Sol mineur, on l'a pas vu. Le Sol mineur, tu fais un barré en troisième case. Tu mets ton annulaire en cinquième corde, cinquième case. Et ton petit doigt, l'auriculaire, en quatrième corde, cinquième case. Et tu grattes à partir de la sixième corde. La sixième corde en troisième case étant un Sol, c'est ta tonique, ta basse. Donc je reprends au niveau des accords, tu as ton Ré mineur, ton Sol mineur, ton La majeur, ton Ré mineur. Au niveau des temps, ça fait 6, 2, 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Et cette boucle, tu la joues deux fois. Ré, Sol, La, Ré, Ré, Sol, La, Ré. Voilà. Intervient le petit pont. Avec ces sans-papiers qui vont bientôt repartir vers leur pays, les chiens, on a tout pris, chez eux, il n'y a plus rien. Bon, on considère qu'il y a quatre phrases. Tu vas comprendre pourquoi. Enfin, effectivement, mais... Enfin bon, quatre phrases, quatre lignes. Au niveau des accords, tu vas alterner entre le Ré mineur et le La majeur. Ré, La, Ré, La, Ré, La, Ré, La. Alors tu attaques, donc, avec le Ré mineur que tu vas placer sur la première syllabe du premier mot de la première phrase. C'est-à-dire A avec ses sans-papiers. Et c'est sur le A de avec que tu fais ton Ré mineur. Avec le sans-papier qui vont bientôt repartir. Tu vas passer au La majeur sur le pied de papier. Donc ça fait avec ses sans-papiers. Et là, chose curieuse, chaque accord c'est 4 temps. Mais tu vas changer à chaque fois ton accord sur la dernière syllabe de chaque petite phrase. Concrètement, je te le fais doucement, ça fait depuis le début. Avec ses sans-papiers. Qui vont bientôt repartir vers leur pays, les chiens. On a tout pris, chez eux, il n'y a plus rien. Voilà, t'alternes Ré et La à chaque fin de phrase. Entre guillemets. Et puis on arrive donc à la phrase, on a tout pris, chez eux, il n'y a plus rien. Le Ré mineur que tu fais sur le mot rien, en fait, il intègre directement les accords de l'intro. Parce qu'après ce petit pont, tu reprends tes accords de l'intro. Ré mineur, Do majeur, La majeur, que tu vas jouer 4 boucles durant. C'est-à-dire, concrètement, on a tout pris chez Y'a plus rien. Top, les accords de l'intro. Voilà, et que tu vas jouer 4 fois. Une fois que tu as fait ces 4 fois, on arrive au deuxième couplet. Pareil que tout à l'heure, tu reviens ton Ré mineur, Do majeur, Fa majeur, La majeur, 8 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. De rétention en cale de fond, j'en ai même oublié mon nombre, patati papapa, et dans l'identité, l'idée titan, l'idée, l'idée, alors, j'aurai plus de nom, j'aurai plus rien, dis-moi c'est quand que tu reviens. Paf ! À nouveau, le petit refrain. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Donc tu reprends ton Fa majeur, Do majeur, Ré mineur,
La majeur. 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. À nouveau, petite boucle musicale où ça pétarade dans tous les sens. Ré mineur, sol mineur, la majeur, ré mineur. 6 temps, 2 temps, 6 temps, 2 temps. À nouveau, après la boucle musicale, donc finalement c'est exactement la même structure que tout à l'heure, tu reviens à ton petit pont avec tous ces champs de tir et tous ces fous du tir. Ils visent pas que les lapins, c'est plus du gros sel, c'est des tomahawks. Sur ces 4 phrases, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Tu attaques la première syllabe de ta première phrase avec ton ré mineur, avec tous ces chants de tir, et tu passes à ton la majeur. Et tous ces fous du tir, ils visent pas que les lapins, c'est plus du gros sel, c'est des tomahawks. Voilà. Même alternance, 4 temps. À chaque fin de phrase, tu changes d'accord. Et puis tu rends compte que le texte continue avec c'est des tomahawks ou des missiles sol-air ou des scuds, et moi avec mon pistolet à bouchon, je pars au fond. Pour ces phrases, tu vas encore avoir besoin d'alterner entre ton ré mineur et ton la majeur, avec comme changement de structure, hein, effectivement, tes accords tu vas les faire durant 8 ans. Ré mineur 8 ans, la majeur 8 ans, ré mineur 8 ans. Et la petite feinte, sol mineur, 8 ans, et la majeur, 8 ans. Concrètement, ré, la, ré, sol, la. 8 ans à chaque fois. Je te le joue. Depuis les 4 petites premières phrases. Avec tous ces chantiers et tous ces fous du tir, ils visent pas que les lapins, c'est plus du gros sel, c'est des tomahawks. Et ici le sol, R. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Voilà, tu as compris, 8 ans, ré mineur, la majeur, ré mineur, sol mineur, la majeur. Et puis après ces quelques phrases, tu passes à la boucle musicale. Donc c'est la boucle où ça pétarade, ré mineur, sol mineur, la majeur, ré majeur, 6 temps, 2 temps, 6 temps, 2 temps. À la différence que là, tu vas le faire doucement. Et cette boucle, tu vas la jouer 2 fois. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1. Tu vas doucement, tranquille. Tu laisses chanter les cordes. Voilà. Bon, tu laisses chanter les cordes. Mais tu vas donc le jouer 2 fois, 2 boucles. Mais à la fin de la deuxième boucle, tu ne vas pas jouer ton ré mineur pour conclure ta deuxième boucle. Tu vas faire ton fa majeur. Pourquoi fa majeur? Parce qu'avec ce fa majeur, tu introduis. Et les phrases « Paris sera beau quand chanteraient les oiseaux, Paris sera beau si les oiseaux menant Paris. » Et sur ces phrases, tu vas jouer les accords du petit refrain. C'est-à-dire « Fa majeur, Do majeur, Ré mineur, La majeur. » 4 temps, 4 temps, 4 temps. Donc je te le fais, je te fais une petite boucle, boucle musicale et je t'introduis les textes. Donc... Paris sera beau quand chantera les oiseaux. Paris sera beau si les oiseaux, mais non. Paris sera beau si les oiseaux. Paris sera beau, Paris. Voilà. Et après avoir chanté ces phrases, tu reviens à ta boucle musicale, donc ré mineur, sol mineur, la majeur, ré mineur. Et tu vas réintensifier ton jeu pour terminer le morceau, comme sur la version de l'album que tu connais, j'imagine, où là ça commence à charger et puis après ça explose. Voilà, tu reprends ces accords-là en crescendo. Et t'as fini ton morceau. Voilà, donc j'espère que j'étais à peu près clair et je te propose une interprétation pour donner un peu de couleur à tout ça. Bon, c'est parti. Je fais pas l'intro, je prends envie. C'est le mec qui fait chier. Donc... interprétation. Les clans de rue, les clandestins, les cris de chiens heurtent à leur ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français.
tout va vers le fait des chiens. On a tout pris, je n'y a plus rien. De rétention, tu as besoin de gens de vous oublier mon ombre. Je prends une fois dans vos décombres. On m'a donné un peu rien, j'en ai fait 100 000 chemins. J'en ai fait 100, j'en ai fait 1. Un chemin de l'identité, 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 l'identité. À la ronde, et dans ce flot d'univers, rien, j'aurais pu le nom, j'aurais pu rien. Dis-moi c'est quand que tu reviens. Que ferait-on quand changent les oiseaux? Que ferait-on quand ils se croient français? Que ferait-on quand changent les oiseaux? Que ferait-on quand ils se croient français? Et tous ces fous du tir, ils disent pas que les lapins. C'est plus du gros sel, c'est des. Dans ma walk. Ou des missiles solaires. Ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au foin. Paris sera beau quand chantera les oiseaux. Paris sera beau si les oiseaux maintenant. Paris sera beau car les oiseaux. Paris sera beau. Paris. Je me suis peut-être un peu gouré au niveau des temps, parce que parfois je faisais certainement 8 temps, 2 temps, au lieu de faire 6 temps, 2 temps, 6 temps, 2 temps. Mais voilà, au moins t'auras à peu près compris. Donc j'espère que l'interprétation t'aura plu, que ça t'aura un peu éclairci, ça t'aura un peu aidé. Si t'as des questions, n'importe quoi, tu n'hésites pas, comme d'habitude. Et puis bah, d'ici la prochaine fois, sois heureux, sois amoureuse, tout le meilleur du monde, que quelqu'un te tende la main, que ton chemin évite les bombes, qu'il mène vers d'autres amours et d'autres quotidiens, je crois que c'est ça les paroles. Enfin voilà, bon, bah si t'as des questions, n'hésite pas, et d'ici la prochaine fois, tout le meilleur, on se dit à bientôt. Ciao. De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné.